Racontez donc Sam à Yaoundé précisément, puisqu'on était, on y était avec le Bobby le cheval blanc. On va dire bonjour à Peggy, Ango, Papi. On pense aussi Papi Ango. Donc on pense à Lynn Ango. Donc on a Peggy Ango, Papi Ango, Lynn Ango, Edith Babette, tous donc du côté de Sam. Et puis un bonjour à Nikes en place là-bas du côté de Sam. On va dire rapidement un bonjour à Victoire Sengue, notre collègue qui est souvent à la caméra centrale et qui est très souffrante en ce moment. Elle est du côté de l'hôpital Bonassama, hospitalisée de ce côté-là. Voilà, justement, on a une grosse pensée pour toi, Victoire Sengue, notre collègue et notre caméraman fille qui est souvent là. Et justement, il est un petit peu triste, André Mirabeau-Mahop, mais je crois que ça va aller, hein, André Mirabeau-Mahop. Ne soyez pas si triste. Un autre bonjour adressé cette fois-ci à la famille d'Arosa à Douala. On pense à l'IPP. Voilà, ils doivent connaître le jargon policier. L'IPP Ngo Mbappa Marie-Grâce. Elle nous regarde peut-être, l'IPP Ngo Mbappa Marie-Grâce. Une pensée pour le sergent-chef Ngok Ngou et Théodore. Une pensée pour un autre sergent-chef, c'est le sergent-chef Alligator, 2e région militaire de Douala. Et puis un bonjour à Dominique Owona sur le flanc du Mont Fébé, là-bas du côté de Yaoundé. Une pensée pour Elvire Dipoko, Gisèle Kouayef. Mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes nombreux. Merci encore. Les sports, la fièvre monte. André Mirabeau-Mahop, bonjour, bonjour quand même. Un bonjour à côté là. Bonjour, 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 bonjour de côté. Alors, Tour du Cameroun 2015. Pourquoi est-ce que la fièvre monte? Tout simplement parce que le Tour du Cameroun édition 2015 démarre ce samedi. La fièvre monte. Quelques jours encore et le début de la compétition. Est-ce qu'on a besoin que la fièvre monte encore en effectivement, parce oui, que c'est un grand rendez-vous du cyclisme au Cameroun. Un grand rendez-vous de la tête. C'est le cyclisme. Mm-hmm. Le Cameroun sera représenté par 17 coureurs qui constitueront 3 équipes. On note le retour en sélection de Hervé Raoul Mba, l'homme qui a mené la course l'année dernière avant de finalement perdre le maillot jaune lors des étapes de montagne au profit du Namibien Dan Graven, on s'en souvient. Cette année également, Yves Ngengok est de la partie. Il est désormais un coureur indépendant. 3 équipes pour le Cameroun, 4 pays d'Afrique. Le Rwanda arrive ce soir par Douala. Les Congolais sont là depuis hier soir. Tout comme le commissaire de la course, Jean-Pierre Coppenole. La France aura 2 équipes. La Suisse et la Slovaquie aligneront 1 équipe. 8 étapes au programme, on le voit, le calendrier de ce Tour du Cameroun, édition 2015, 8 étapes avec le critérium dans la ville de Douala le 20 mars prochain déjà. Alors, le calendrier est assez chargé, hein, assez fourni, on va dire ça comme ça. Et maintenant, si on parlait un petit peu de... Enfin, on parle football, je crois, non? Intéressons un petit peu à la Ligue 1, match en retard. Vous nous dites que les matchs en retard, c'est quoi? Le match en retard, c'est ce match qu'on n'a pas pu jouer lors des journées régulières. On a un match en retard de la 5e journée ce jour, ce mercredi, au stade de l'unification de Douala, entre le bleu Botafogo et New Stade de Douala. Cette attaque qui fait peur. Botafogo, le bleu, est toujours invaincu. Un autre match qui concerne un autre bleu du côté de Yaoundé, c'est entre le dragon de Yaoundé et Unisport du Honkam, le flambeau de l'Ouest. A perdu un peu de sa force ces derniers temps. Les échecs, des défaites enchaînées, le flambeau de l'Ouest ne va pas très bien, va essayer de rebondir face à une équipe de dragons qui a enregistré sa première victoire dimanche dernier contre Fovo Club de Bam. On le voit le classement, Lyon blessé toujours au peloton avec 13 points, c'est le maillot jaune de cette Ligue 1. Bambuto, Coton Sport et Yon Sport sont comptent 9 points chacun. La deuxième page de ce classement de Ligue 1 après 5 matchs joués avec UMS de Loum qui est 11e au classement. La zone rouge, Cosmos de Bafia, Unisport du Honkam, Indiana Point Sport, Académie de Zézon. André Mirabeau-Mahop pour les sports sur Canal 2 International dans Canal Matin. Il est 7h passé de 31 minutes en temps universel, 8h31 heure locale. Des informations sportives et ça en bref, hein, est-ce que vous pouvez nous brosser comme ça pour qu'on passe rapidement sur le football, puisque j'ai envie de vous parler aussi même de la Ligue des champions africains. Mais commençons par, si vous voulez, des informations sportives en bref. Le bodybuilding. Je ne conseille pas des hommes d'en faire. Bon. Mais le bodybuilding, on en commence oui, avec ces informations. Oui, c'est un peu musclé comme ça. Voilà. Oui. Yeah, désolé, il ne faut pas y passer. Et vous pas. Alors, André Mirabeau-Mahop, vous serez quoi, quoi? Je ne suis pas sûr. Quoi, oiseau? Moi, c'est quoi? Ah, c'est bien passé ce matin. Quoi, bodybuilding, les nouvelles. Deuxième journée de la 7e édition du tournoi Gérald D. Prévu ce vendredi 13 mars du côté du Cafra de Bipanda à Douala. C'est le bodybuilding. On parle également de tennis. Les jumelles Elundu, Manuela et Linda qui sont à Tunis, en Tunisie, pour le championnat d'Afrique de tennis. Comment ça se passe pour elles là-bas sur place? La compétition démarre ce mercredi 10 ans. Le Cameroun est représenté par 4 athlètes.
les jumelles Elundu, Takam Guy et Paola Mobry. On parle également de Sable de Batier déclaré forfait général. Relégué cette saison en Ligue 2, les Sunshine Boys ne se sont jamais présentés dans les stades. Plusieurs fois absents, la Ligue en avait marre, a déclaré l'équipe forfait général. Le champion du Cameroun est déclaré forfait général. La Ligue 2, champion du Cameroun 1999, je le rappelle, est déclaré forfait général. La Ligue 2 se jouera avec 17 clubs. On parle également de la Ligue des champions du côté de l'Europe et Aboubakar Vincent qui a inscrit un but hier lors du match entre le FC Porto et le FC Bâle. Victoire des Dragons 4-0. Aboubakar Vincent a inscrit le quatrième but des Dragons. C'est son deuxième but en Ligue des champions. En tout cas, il a commencé à en inscrire, hein? Donc pas de problème. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu au match des Galas, pour parler de Canal 2 International qui a joué contre Sam Vision de Petit Pays. Sam Vision de Petit Pays. Et de ce côté-là, tout le monde Attendez. Donc, le match des Galas, voilà pourquoi vous connaissez noter là, le match des Galas, il faut dire une connerie comme ça. Voilà, le match des Galas, Canal 2 contre les Sam Visa de Petit Pays. Et évidemment, c'était un moment intense, ouais, pour ne pas dire des moments intenses. Ouais, disons, mais tout le monde se posait la même question. Où est donc passé des hommes. Justement, petit déboîtement au niveau du pied gauche. Il a fui la rencontre. Mais non. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'ils ont dit. Et tu ne nous as pas appelé non plus pour nous dire. Il savait bien que je m'étais lors des entraînements. Personne ne t'avait vu. Tout le monde était là quand même, sauf Jason. Non, attendez. Oui, d'accord, il n'était pas en forme. Le groupe TV Plus s'est déplacé dans cette localité située non loin de Bonaberry. Après mon nom. Pour disputer le match de gala contre la Orange, formation. C'est d'Orange, de Petit Pays lui-même. Hein. Des 100 visas de Petit Pays. Rabarabi. Lieu de la rencontre, Stade Efata de Bomono. Tout le monde était là, les techniciens, journalistes de renom, animateurs, responsables de l'administration du groupe TV+, bref, la crème du groupe. En face, l'artiste musicien Petit Pays a mis les grands moyens. L'essentiel de son écurie était là, juste pour rappeler que le Stade Efata de Bomono est construit dans le ranch de l'artiste. Au final, Canal 2 s'incline 1-4, mais la fête sportive et culturelle était là. On est allé au-delà de ce score anecdotique. On va voir le but de Canal 2 International, un boulet de canon. Vous allez faire tout un dossier sur le but de Canal 2 International. C'est un boulet de canon, c'est quand même un but, c'est un but d'archives. On peut le garder dans les archives. Bon, mais c'est un but quand même, parce que le mur avait quand même légèrement résisté. On a perdu, mais on a marqué le plus beau but de la rencontre. Quelle consolation. On a perdu, mais on a marqué le plus beau but. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a perdu, tout simplement. Qui nous ont écrasés. Parlons d'autre chose. Non, on parle de ça. Jason est absent. Oui, c'est vrai. Mais si j'avais été là, sûr qu'on aurait cette erreur. Ouais, c'est ça. Vous voyez. Le bon mot des absents. Ok, bien. Eh bien, on va laisser peut-être. On va quitter l'Orange des Petits Pays, là. Pour partir s'intéresser à la Ligue des Champions africains, si ça ne vous dérange pas beaucoup, mais là je vois l'affiche. Voilà, l'affiche, Coton Sport. Sanga Balende, c'est une équipe de la République démocratique du Congo. Le match est déjà dans toutes les têtes. L'adversaire de Coton Sport des Garoua, samedi prochain, en 8e de finale, aller de la Ligue des Champions, est déjà en terre camerounaise. Le club congolais a atterri hier à 15h30 à l'aéroport international de Douala. On le voit, les images exclusives ce matin. Une délégation constituée de 20 joueurs, parmi lesquels un Ivoirien et un Ghanéen en la personne de Stanley Afelzié. Les deux Camerounais de Sanga Balende ne sont pas du voyage. Vivien Inanombe est en baisse de forme. Kenfak Sate est blessé. Juste après, ils ont pris place dans leur minibus. L'équipe de Sanga Balende a pris la route pour son hôtel. On a vu les images de l'entrée à l'hôtel. Un hôtel situé non loin de l'aéroport. Les sang et or ont mobilisé près d'une vingtaine de chambres dans cet hôtel. L'équipe va passer une seule nuit à Douala. Tout à l'heure, Sanga Balende s'envole pour Garoua, où les Congolais affrontent Coton Sport ce samedi. L'effectif est constitué de 4 internationaux, parmi lesquels le meilleur buteur du club, Kabamba Mukundi, qui compte Kabamba Mukundi. Oui, 2 buts en Ligue des Champions. Et on le voit juste après l'arrivée, ils sont partis du côté du stade de la réunification pour une séance d'entraînement. 30 minutes après l'arrivée à Douala, ils sont partis au stade de la réunification, séance d'entraînement qui a eu 1 heure de temps. Mais ce qui nous a impressionné, c'est l'intensité de cette séance d'entraînement. Les joueurs étaient vraiment très engagés. On n'avait pas l'impression qu'ils venaient de faire un voyage. L'actuel 6e du championnat congolais, après 3 journées et 1 match en retard, sort d'un match nul. 1-1 contre le tout puissant Mazembe. C'était dimanche dernier. Coton Sport retrouve Sanga Balende, une équipe
qu'elle a éliminé en 2001 après la victoire 2-0 à l'aller à Garoua et un match nul 2 buts partout en République démocratique du Congo. Mais le coach de Sangabalende, Santos, dit que les choses ont changé. Écoutons-le. ce n'est pas le 2015. On est venu jouer, ça va être un match très très ouvert, ça je vous garantis. Et, comme vous le savez, Coton Sport a plus d'expérience que Sangabalende, mais nous on est venu jouer. Ça sera un match très ouvert, ça je vous garantis. On s'y prépare en conséquence. On sait bien que Coton c'est une équipe expérimentée par rapport à Sangabalende, mais on vient jouer quand même. Les joueurs ils sont conscients qu'ils vont jouer un match difficile. Mais on est en train de se préparer, voilà. On est en train de se préparer, oui. Bon, au tour préliminaire de la Ligue des Champions, Sangabalende a éliminé le Recreativo Libolo, un club angolais. Un club angolais. Je vous avais dit que tous les mercredis, on devait avoir un document exclusif, l'œil du mercredi. Et ce mercredi, l'œil ira guetter du côté de l'Angola, ce pays d'Afrique où des footballeurs trouvent leur pain. On peut jouer en Afrique et réussir sa vie. L'œil de mercredi, un document exclusif. Welcome to Angola. L'Angola, le nouvel Eldorado. Thierry Makonde est le dernier venu d'une forte colonie de footballeurs camerounais à la conquête de la Girabola. L'ex-pensionnaire de New Star de Douala vient de résilier son contrat avec l'Espérance de Tunis. Désormais, l'international camerounais mouille le maillot du Progresso, un club de la ville de Luanda. Entre Yaoundé et Libolo, Emmanuel Bongo et Eddie Boyom ont fait du chemin. L'un entame son quatrième bail en Angola, l'autre est à sa deuxième saison. Les deux anciens pensionnaires de la Ligue 1 viennent certes d'essuyer une élimination précoce en Ligue des Champions. Mais avant, Eddy et Emmanuel ont goûté aux délices de la Supercoupe. L'Angola a transformé leur vie. Emmanuel Bongo, ex-attaquant de Coton Sport, formé à la jeunesse sportive Saint-Julio. Champion du Cameroun en 2011 et 2013 et demi-finaliste de la Ligue des Champions 2013, en un an, le meilleur buteur de la Ligue 1 en 2013, a vu son quotidien se métamorphoser. Un véhicule de luxe, un appartement au standing, une vie professionnelle à l'abri du besoin. Eddy Boyom a fait mieux. Formé à Juvenil de Bafang, ex-capitaine de sable de Batier, international camerounais. En quatre saisons, le natif de Bertois s'est offert un duplex au quartier Koto à Douala. Son parking est désormais paré de véhicules. Marié et père d'un enfant, Eddy Boyom n'a rien à envier aux footballeurs qui évoluent sur le vieux continent. À Libolo, Eddy et Emmanuel partagent le même domicile. Si le défenseur central fait la cuisine, l'attaquant s'occupe des courses. Bref, ce pays du sud-ouest de l'Afrique n'a plus aucun secret pour eux. En Angola, le footballeur bénéficie des infrastructures modernes et parfois des conditions salariales très alléchantes. Voilà, le rêve est permis. Et justement, avec ce jeune Camerounais, ce footballeur, on a beaucoup d'espoir aussi. Alors, voilà, Mike.